Ну, подавать будет, разумеется, Чалхан углу, навес, в ворота подает. Гол! Вот это да! Вот это да! Чалхан углу забивает. А я говорю, предупреждал. Да, Пападополос, вы знаете, это он все-таки забил. Вот, да, кивок, это не угловой. Опережает он Терштегена, который на выходе сыграл далеко не лучшим образом. Не пойму, не пойму, чем он там так возмущался, то, что не сыграли защитники. Вот он с Суаресом обсуждает, кто кого должен был держать, но мяч во вратарской. Ты выходи с руками. Собственно, о чем ему и говорить, Суарес. Выходи так, чтобы вообще... Oui, mais voilà, la balle au début, c'est Busquets, c'est première fois qu'on a vu qu'ils ont changé des côtés, des droites à gauche, avec une transmission de deux passes, et ensuite c'est encore Jordi Alba. Je dis tout le temps, l'importance maintenant des latéraux, mais pas simplement pour venir s'incorporer, sinon faire ou donner une belle passe, c'est ce qu'il... L'espace d'une minute, le FC Barcelone fait exploser les Leverkusen. Luis Suarez qui permet au Blaugrana de mener 2 buts à 1. Et on sentait venir Omar gros comme une maison. Oui, mais tout beaucoup plus dans le forceps avec encore une fois une action. Cette fois-ci à Munir. Je disais, qu'est-ce qui fait Munir à gauche au début lorsqu'il était rentré. Voilà l'action avec un Dani Alves qui a beaucoup de distance pour lui donner le crochet à l'intérieur. Et ensuite, la passe. Voilà, là, il va avoir le contre favorable, la feinte de frappe. Et Suarez, que de part, il ne va pas à se mettre axial. Il va dézoner, il va faire les mètres qu'il faut pour pouvoir se retrouver au retrait. Quelle frappe! Il sait que c'est la place ainsi au premier poteau force.